Je suis pas attachée. What? Oui. On est reparti. Hello les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo randonnée à la montagne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bandeau là pour éviter que le vent rentre dans le trou de mes oreilles. Parce qu'il va y avoir beaucoup de vent dans ces prises de vue et certaines fois vous n'entendrez même plus ma voix. Donc je suis désolée par avance et j'espère que ça ne vous gâchera pas la vidéo. J'adore vraiment cette route, elle est toute petite, archi sinueuse, et évidemment ça te laisse un panorama de dingue. Non mais regardez-moi toutes ces petites orchidées sur la route, mais c'est juste trop mignon quoi, franchement. Alors ouais, on n'est pas sur un temps magnifique. Mais a priori la météo a annoncé que ça allait se dégager. Donc je croise les doigts et j'espère que c'est ce qui va arriver. Sinon de toute façon j'ai prévu mon kawé. Là je viens d'emprunter le col du Pas de Pérol. Et en fait ça nous fait traverser la forêt du Falcou. Donc c'est vraiment super choupinou quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup. Franchement, la route est magnifique. Il y a le vert tendre des feuillus qui contraste avec le vert plus sombre des épineux. C'est super beau. En plus de ça, tout le long de la route, il y a plein de petits ruisseaux, plein de petites cascades qui courent. C'est une trop belle période, là, la période du printemps. Évidemment, c'est beaucoup plus décalé qu'avec là où je suis. Moi, chez moi, c'est déjà passé tendre, mais ici avec l'altitude il fait plus froid et du coup on est encore dans la jolie période des contrastes comme ça, de tous ces camaïeux de vert. Les sommets sont vraiment dans les nuages et le bas de la montagne est complètement dégagé, donc ça fait vraiment une barre quoi. Donc je viens d'arriver sur le parking et il fait plutôt froid, franchement il y a du vent, il fait 9 degrés et on va commencer par se boire un petit café si c'est possible et annoncer de suite. Donc je sais pas si tu te souviens, mais j'avais déjà fait une randonnée qui était au départ du col de Redondé. Zut, je viens de le filmer à l'instant, non mais franchement. Et mais en fait, arrivé au col justement, je vais au lieu de bifurquer sur la gauche, je vais donc partir sur la droite vers un endroit où je suis pas encore allée. J'avais donc fait cette randonnée avec Kylian et on avait tenté de faire un bivouac mais on avait eu l'orage et au final on s'était retrouvé à passer une nuit atroce dans la voiture. Voilà. La végétation est encore endormie, un éco-stade des bourgeons et il y a encore des petites plaques de neige là qui résistent.
tout à l'heure. Je te reglisse donc quelques petites images pour te remémorer de comment c'était là-haut. Comme ça, tu n'auras pas la sensation d'avoir raté quelque chose. Et moi donc, je vais vers le faux là-bas. Voilà. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin. With me tonight, I'm on the road. J'étais en face, en train de boire mon petit café. Et il y avait donc ce gros brouillard qui séparait le Puy-Marie du faux, de là où je suis. Alors si je te dis pas de bêtises, je crois que ça c'est le début de la gentiane. Donc c'est avec ça qu'on fait la salaire entre autres. C'est une liqueur du Cantal. Et d'Auvergne, je pense qu'il y en a aussi. Oh. Ah, j'ai faim. Je me suis mouillé les pieds en remontant les fesses, en faisant les photos, les prises de vue. Est-ce que j'ai dit que j'ai faim? Ah, je sais plus, j'ai faim. Ah, bref. Là, je suis une remontée d'une pente vraiment abrupte, adrupte, je dirais le mot là, voilà, c'est ce mot là que je voulais dire. Et du coup, je souffre, donc je vais faire une pause et je vais manger parce que je pense il est largement midi passé vu que j'ai bu mon café vert 11h. Voilà, voilà. Enfin, je fais la pause déjeuner. J'avais trop hâte, je suis trop fatiguée, j'ai trop faim, j'ai bu trop de café, j'ai fait trop de sport. J'ai pris ce matin 2 batteries pour mon appareil photo. Je me dis, ouais, je vais me régaler, je vais pas pouvoir. Enfin, j'aurais pas besoin de me restreindre sur les prises de vue et tout. Je vais pouvoir faire des timelapses et tout. Là, j'installe mon trépied, mon appareil photo et je vois que c'est la fin de la batterie. Donc, je me dis, allez, c'est bon, je vais craquer la batterie sur les derniers timelapses. Bien sûr, je n'ai pas pris ma 2e batterie. Donc, comme j'ai quand même bien avancé dans la randonnée, ou pas trop quand même, hein, n'exagérons pas, bon, enfin bref, j'ai pas envie de rebrousser le chemin, revenir pour vous filmer tout ça, donc je vais pas aller jusqu'au bout de ce que j'imaginais. Enfin, j'imaginais rien de précis, mais je pensais quand même avancer.
Et voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu t'es régalé autant que moi à voir tous ces jolis paysages, peut-être même que ça t'aura donné envie de randonner toi aussi, je te le souhaite. Et en attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Te voilà coquine.